deux décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété. Une perquisition en pleine nuit. Certains lieux seront fermés. L'opération aurait été illégale si ce n'était l'état d'urgence. Au total, 24 000 un dispositif proclamé au lendemain des attentats de novembre, puis prolongé une première fois de 3 mois. Aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement souhaite le prolonger de nouveau au-delà du 26 février, en attendant la loi sur les nouvelles procédures judiciaires. Qui n'est plus un état de droit. Il va y avoir